Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de Homeworld Remastered Collection. Nous devons détruire le vaisseau amiral ennemi. Donc on s'approche. Voilà, vous êtes engagés les vaisseaux ennemis. Ce sont vos ordres. Que qu'est-ce qu'il reste? Ouais, on s'en moque. Alors, et ouais, putain de générateur de gravité. Ah, mes corvettes ont été détruites au final. D'accord, ok, on y est. Ça va. Nos frégates d'attaque s'avancent. Allez, éliminez-moi ce truc. Où sont les croiseurs lourds? Putain, ils sont loin encore. Qu'est-ce qu'ils sont lents. Voilà, donc un premier détruit. On passe au suivant. Détruit. Allez, on s'attaque au vaisseau mère ennemi. Vont-ils avoir des renforts? Je m'en moque un peu comme de l'an 40. Ils peuvent avoir autant de renforts qu'ils veulent. Vous m'attaquez. Tout. Très bien, voilà, ça c'est détruit. J'espère que ça va pas être une vidéo de 2 minutes, honnêtement. J'aurais l'air malin. Donc nous y voilà. Je pense que ce vaisseau mère, on va le massacrer. Regardez-moi ça. Les croiseurs lourds arrivent. Ils ont même pas le temps d'arriver et de tirer que... Voilà. Le vaisseau amiral de l'Empire Taïdan est détruit. Ah, il nous envoie une nuée de vaisseaux ennemis. C'est quoi? C'est des bombardiers, j'imagine? Ouais, c'est des intercepteurs qui... Ouais, ils vont essayer de se suicider sur mes vaisseaux, vous allez voir. En tout cas, leur vaisseau mère a été détruit. Non, même pas une attaque suicide. Mais en tout cas, on a gagné. What the fuck? The Galactic Council recognized our claim to this world. The sacrifice of thousands has left a trail of destruction behind us, like a path across the galaxy to Higara, our homeworld. So much destruction, so many lives lost for this place.
a place of wonder to those who knew only the sands of Karak. Our colonists were released from their long sleep. All symbols of the old empire were destroyed. But the conflict will never be forgotten. A celebration marked the beginning of a new time. No longer fleet command, Karan Sajet survived extraction from the mothership's core. She insisted that she would be the last person to disembark and set foot on the home world. Et ben voilà. Nous avons gagné. Je suis trop content. J'ai fini Homeworld. Ah. Vous vous rendez compte, j'ai joué à ce jeu il y a quoi? Il y a 15 ans? Plus de 15 ans? 17 ans? 18 ans? Je sais plus. Il est sorti en quoi? 2008? 98, pardon. Et je l'ai enfin terminé. J'avais jamais réussi. Enfin, j'avais jamais vraiment essayé non plus, hein. Mais ouais, ça fait du bien, franchement, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, l'aventure ne s'arrête pas ici, car il y a Homeworld 2 encore que nous devons faire. Donc du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour le premier épisode de Homeworld 2 Remastered Collection. En attendant, j'espère que cette série vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le dire. Me dire aussi les points sur lesquels je peux peut-être m'améliorer pour faire une série encore meilleure. En tout cas, pour peut-être pour le 2, quoi. Donc voilà, en tout cas, merci à tous très chaleureusement de m'avoir rejoint pour cette série complète. Je suis vraiment très heureux de l'avoir terminée. Je trouve ce jeu magnifique. Je suis très content qu'il ait remasteré comme ça. Je trouve que c'est une bonne réussite et que ça vaut le prix qu'on le paye. Enfin bref, voilà. Merci à tous et puis bonne journée et à très bientôt sur JazzGaming pour de nouvelles aventures. Bye bye.